Ici Jean-François Lépine, je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. De tout temps, les êtres humains ont été fascinés par la mort, mais surtout parce qu'il y aurait après la mort. C'est ce qui explique l'intérêt suscité par les récits de ceux qui ont vécu la mort clinique et qui sont revenus à la vie. C'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, un phénomène qui intéresse de plus en plus les scientifiques parce qu'en revenant à la vie, souvent miraculeusement, ceux qui ont vécu la mort imminente racontent tous avoir vu les mêmes choses ou avoir expérimenté les mêmes phénomènes, peu importe leur pays d'origine, leur religion ou leur âge. Geneviève Rossier et Kathleen Royer ont rencontré des gens qui ont vécu chacun à leur façon la mort imminente. Une expérience, vous allez le voir, qui peut changer la vie de ceux qui sont passés au travers. Le patient, il s'était pas réveillé après l'opération. Fait que, il faisait des arythmies cardiaques, lui aussi. On l'avait massé, défibrillé à plusieurs reprises. Puis quelques jours après, un coup qu'il était mieux, il a vu une infirmière passer dans le corridor, puis il a dit « Viens ici ». Puis c'était l'infirmière qui l'avait massé, puis il s'en est rappelé après, puis là, il était capable de nous dire qu'est-ce qui s'était passé, qui était là, qui avait fait quoi. Sa femme qui était dans la salle d'attente, qui pleurait, il l'avait vu, il disait qu'il volait au-dessus de nous autres, puis il nous avait tous vus. Bon, le patient était en arythmie maligne mortelle, il était en arrêt cardiaque, fait qu'on a dû faire un choc avec, on appelle une défibrillation, et le patient, il a eu dans son visage une terreur dans ses gestes, dans son visage, puis pourtant, il était mort. Puis après, bon, on a dû commencer les manœuvres de réanimation. Donc, moi, je me trouvais comme au-dessus de lui, en train de faire le massage cardiaque. Et après, il s'est senti soulagé. Puis entre autres, ce qu'il avait vu, il disait qu'il s'est vu dans un genre de couloir très, très foncé, très dense. Il avait comme des bras, des gestes qui voulaient comme l'enlever, l'arracher, puis il a eu peur. J'ai eu une panique totale. Ils sont 13 millions, selon un sondage Gallup. 13 millions de Nord-Américains à avoir eu des expériences de mort imminente. Certains ont été morts, d'autres ont frôlé la mort. Mais tous sont revenus pour décrire l'étrange sensation de quitter, puis de flotter au-dessus de son corps. Certains disent avoir été aspirés vers une intense lumière et même avoir rencontré un être suprême. Généralement, l'expérience est paradisiaque, mais elle peut aussi être infernale. Dans tous les cas, des gens bouleversés sont désormais convaincus d'avoir la preuve d'une vie après la mort. La science, elle, nous dit qu'il s'agit d'un simple soubresaut du cerveau qui s'éteint. C'est assez émotionnel pour moi de parler de mes accidents parce que ça a compliqué ma vie extraordinairement. Le fait d'avoir tombé sur la patinoire me briser la colonne vertébrale. Je voyais mes rêves, mon rêve de jouer dans la Ligue nationale s'effondrer. En 1961, la carrière de Rodrigue Gilbert faillit s'éteindre quand il se brise le dos. Mais après une greffe et 8 mois en réhabilitation, son rêve se réalise enfin. Il est repêché par les Rangers de New York. 4 ans plus tard, son entraîneur, Emil Francis, fonde tous ses espoirs sur lui. Il est la vedette des Rangers. Mais un soir, contre Boston, son passé le rattrape en une fraction de seconde. J'ai été frappé, puis j'ai perdu les jambes. Les deux fois, les jambes me paralysaient. Nouveau médecin, nouvelle greffe au dos et nouveau séjour à l'hôpital. Cette fois, on ne lésine pas avec les antibiotiques. Ça faisait 7 jours que je ne mangeais pas de solide. Et puis les pilules d'antibiotiques, je ne pouvais pas les digérer. Et puis je me suis étouffé. Alors, je suis plus capable de respirer, puis étouffé complètement. Et puis la garde malade arrive dans la chambre, et Francis, il est étouffé, regardez, j'étais bleu. Et puis je l'entendais parler. Fait que là, elle prend mon pouls, puis savoir ma pression, puis tout ça. Elle dit, on l'a perdu. Son cœur est arrêté. Puis là, elle commence à crier. Puis là, l'instructeur, il était tout excité. Emil Francis, il dit, « Oui, mais ramenez-le, faites-le revenir, c'est mon meilleur joueur. » J'ai tout vu ça. J'ai expérimenté tout ça. C'est une expérience très paisible pour moi, si tu veux, parce que y a rien, là. Après la mort, j'étais pas parti trop loin, tu sais. Mais vous étiez comme au-dessus de votre corps? Au-dessus. J'étais dans la chambre.
Dans le coin de la chambre à ma gauche, tout à fait au fond, en haut du plafond. Ça fait drôle d'entendre quelqu'un dire... Il est mort. Il est mort. Il n'y avait pas de problème. Vous étiez mort combien de temps, vous pensez? Probablement 5 ou 6 minutes. Je voulais revenir parce que il m'avait ordonné de revenir, puis c'était mon coach. Est-ce que c'est cet incident-là qui vous fait croire qu'il y a de la vie après la mort, puis qu'il n'y a pas à avoir peur de Absolument. Ça? Absolument. Ça a devenu beaucoup plus clair pour moi que le corps peut partir à n'importe quel temps, mais l'âme va rester continuellement. Et maintenant, pour l'équipe du Canada. Armé d'une nouvelle détermination, il jouera encore 14 saisons dans la Ligue nationale et deviendra le meilleur marqueur dans l'histoire des Rangers. Le numéro 8, number 8, Rodrigue Gilbert. La problématique de la vie après la mort est une des interrogations les plus fondamentales de l'être humain. En 1975, 11 ans après l'accident de Rodrigue Gilbert, Raymond Moody publie « La vie après la vie », qui se vend à plus de 10 millions d'exemplaires. Dès mes premières entrevues avec des gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente il y a 35 ans de cela, j'ai remarqué qu'ils pensaient être les seuls à avoir vécu une chose pareille. Ils hésitaient à les raconter de peur d'être ridiculisés. Selon le Dr Moody, les expériences de mort imminente existent depuis toujours. Mais il a été le premier scientifique à les nommer, ce qui a créé autour du phénomène un engouement parfois suspect, mais aussi une certaine crédibilité. Robert Leroux est psychiatre à l'Institut de cardiologie de Montréal. Un jeune médecin aujourd'hui ne rirait pas si un patient lui raconte une expérience de mort imminente. Non, j'ai l'impression qu'il prend ça très au sérieux. Je peux vous dire ça avec beaucoup d'attention. Mais il y a quelques années. Je pense qu'il y a quelques années, on mettait ça peut-être un peu sur le compte de la folie ou sur le compte d'un dérangement cérébral. Quelque chose à oublier, puis on avait passé à des choses plus sérieuses, je crois. How can the minister justify to limit? Pam, can you describe to us the Pam, comment étiez-vous avant que tout ça vous arrive? What kind of person were you? Frénétique et sans doute un peu superficielle, bien que guidée par de solides valeurs. Pam Barrett est une des femmes les plus en vue à Edmonton. Il y a encore quelques mois, comme chef du Parti néo-démocrate, elle était la conscience sociale de l'Alberta. Et en vue des élections, elle voulait se faire blanchir les dents. Je lui disais, David, ça me fait mal, plus d'anesthésiant. Je lui ai dit, David, je ressens encore de la douleur. Et il était d'accord. Alors, allons-y pour une autre dose. Mon corps se soulève, raide comme un piquet. Oh, mon Dieu, je vais mourir. Et à partir de là, tout était au ralenti. I felt like I was going in like this. Then all of a sudden she just went. Soudainement, elle est devenue silencieuse, pâle. Et son corps, qui était comme ça sur la chaise, est devenu tout droit, horizontal et complètement plat. La contraction l'a soulevée de la chaise et après elle est retombée. Elle semblait normale, bien qu'elle paniquait parce qu'elle ne pouvait plus respirer. La mort était toute une expérience. C'était incroyable. C'était remarquablement beau. J'étais en contact avec tous les êtres qui ont jamais vécu. Là où je suis allée, il faisait chaud. Tout était velouté, vaporeux. J'étais en présence de Dieu. Et Dieu était tout. Avant, je ne savais pas ce qu'était Dieu. Et ce soir-là, je savais que je quitterais la politique. Je savais aussi que je partirais à la recherche de Dieu. Le soir même, elle téléphone au premier ministre albertain Ralph Klein. Son adversaire politique sera un des premiers à savoir qu'elle démissionnera dès le lendemain matin.
Il m'a dit, Pam, ne fais pas ça. Je lui ai répondu que je n'avais pas le choix, que j'avais reçu un message bouleversant et que j'allais le suivre. Toute la suite des événements, entre le moment où elle s'effondre dans la chaise, remonte dans les airs, puis retombe et se remet à parler, tout ça s'est déroulé en moins de 30 secondes. C'est étonnant. Oui. Et vous n'avez pas d'explication scientifique? Aucune. So that potato dish, that's way different from the Greek one I know. Pam Barrett veut déménager à Vancouver pour se rapprocher de gens qui ont vécu la même chose qu'elle. Ils font partie de l'Association internationale pour les études sur la mort imminente, qui compte des milliers de membres partout au monde. Cet été à Seattle, Mme Barrett était conférencière à leur assemblée annuelle. Aujourd'hui, toute la vie de Pam Barrett tourne autour des expériences de mort imminente. Elle écrit même un livre pour raconter son aventure. Et elle n'est pas la seule. Des centaines de gens ont fait comme elle. Il s'est développé autour de ce phénomène une industrie qui rapporte des millions de dollars. Êtes-vous à l'aise d'entrer dans cet univers? Écoutez, je n'écrirai pas un deuxième tome. Je vais faire un livre et c'est tout. Je n'ai pas envie que ça devienne une entreprise de profit à long terme. Il y a des auteurs qui le font, ça m'énerve, mais c'est leur choix, je suppose. Ça change une vie du tout au tout. On ne peut plus être la même personne. Des fois, c'est difficile d'expliquer comment on a changé, mais on comprend très clairement que notre corps n'est qu'une enveloppe et que l'âme est tout. Et c'est très réconfortant. Est-ce que vous excluez définitivement un retour en politique? J'ai appris à ne jamais dire jamais. Le 2 juin 1990, le dentiste Jean-Pierre Parent perd connaissance chez lui, à Joliette. À l'hôpital, les médecins diagnostiquent une hémorragie au cerveau dont les effets seraient irréversibles. Il est maintenu en vie artificiellement et transporté à l'hôpital Saint-Luc de Montréal comme donneur d'organes. Une infirmière aux soins intensifs qui m'a dit que je lui avais fait la peur de sa vie. Parce qu'on lui avait expliqué qu'il y avait un jeune homme de 33 ans qui est décédé, c'est un donneur d'organes, d'aller le préparer pour la carrière d'organes, de le raser. Quand je suis arrivé avec mon rasoir et ma canne à raser pour te raser l'abdomen, la poitrine, tu t'ouvres les yeux, tu m'as dit bonjour. J'ai crié, moi, il était supposé être mort, le gars, mais il parlait, là. Il était pas aussi mort qu'il était supposé être. Et là, je suis revenu à moi. Combien de temps ça a duré? 6 heures. 6 heures entre le moment où on vous a déclaré cliniquement mort. Mm-hmm. Et le moment où je suis revenu à moi. Et le moment où vous vous êtes réveillé. Oui. Cependant, moi, j'étais conscient d'une conversation qui s'est tenue au pied de mon lit où le neurochirurgien expliquait à mon frère Yvon que l'hémorragie que j'avais, elle était fatale et incontournable. Et on va enclencher les manœuvres de carrière d'organes d'ici 2 à 3 heures. Je me souviens d'avoir attendu cette conversation-là. Et je me souviens surtout comment j'ai réagi. J'ai pas pu parler parce que cliniquement, j'étais incapable de parler. Mais je leur ai dit en pensée à tous les deux de manger de la marde. Ils se trompaient et que quand ma fille arriverait l'automne, j'étais pour être sur mes deux pieds. Alors, quelqu'un qui fait une mort clinique, au sens où on dit le cœur ne va plus, ça veut pas dire pour autant qu'une mort cérébrale, hein? C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'activité du système nerveux central que c'est mort, hein? Ça ne veut pas dire qu'une mort psychique. Alors, moi, je pense que s'il y a quelque chose qui est à regarder, c'est peut-être à ce niveau-là. Hein? Je veux bien vous comprendre, là, un décalage, en somme, entre la mort clinique où le cœur arrête, oui, et la conscience qui continuerait, elle, à exister. À exister. Moi, je pense... Moi, en tout cas, s'il y a une hypothèse, s'il y a un lieu de recherche, c'est peut-être à ce niveau-là. Les expériences de mort imminente intriguent les chercheurs parce qu'elles brouillent la frontière entre la vie et la mort. L'hiver dernier, une étude publiée en Angleterre répertoriait 3 500 cas où des gens cliniquement morts, sans aucune activité au cerveau, ont quand même pu réfléchir. Les auteurs de l'étude pensent que la conscience humaine est peut-être indépendante du cerveau. Mais ceci n'explique pas pourquoi 20 % seulement des gens qui ont été morts rapportent des EMI, ni ce qui fait revenir ces gens-là à la vie.
Je suis convaincu que si j'étais le moindrement dépressif cette journée-là, j'aurais accepté la conversation des gens autour de moi, comme quoi qu'il n'y avait aucun espoir possible, et je me serais probablement laissé aller. Mon esprit m'aurait quitté. Alors que mon esprit, là, je le tenais à deux bras, très fort, qu'elle reste là. Jean-Pierre Parent croit que son désir de connaître sa fille, qui allait naître à l'automne, l'a fait revenir à la vie. Les gens vivent parce qu'ils ont des projets. Les gens vivent parce qu'il y a quelque chose d'eux qu'ils veulent laisser en héritage, en témoignage. Quand les gens ont le sentiment d'avoir fini, entre guillemets, de créer ce qu'ils ont créé, c'est peut-être dans ces moments-là qu'ils peuvent se retirer. Ça, c'est la copie du dossier médical. De mon dossier médical, oui. Médicalement, comment vous expliquez-vous? Je n'ai pas d'explication. Le neurochirurgien m'a posé au moins une demi-douzaine de fois la même question et je lui ai dit que je ne comprenais absolument rien et que ça me dérangeait pas de rien comprendre. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à comprendre pour moi dans ça. Ce que je sais, dans tout ce que moi je réalise dans tout ça, c'est que je suis bien, j'ai toujours été bien, je n'ai jamais été en situation de problème où j'étais inquiet et c'est peut-être ça qui m'a, dans le fond, sauvé. C'est que je n'ai jamais considéré l'événement comme étant grave. Quelques mois après son accident cérébral, le docteur Parent a repris le cours normal de sa vie. Et malgré tout ce qui lui est arrivé, il signe toujours sa carte de don d'organes. Les sceptiques accusent souvent les gens d'inventer des expériences de mort imminente à partir de ce qu'ils ont lu ou vu à la télévision. C'est pourquoi les chercheurs s'intéressent tant aux récits d'enfants qui peuvent difficilement avoir été inspirés par des livres sur le sujet. Il m'a dit, « Maman, j'ai quelque chose à raconter, puis je suis pas fou. » J'étais au ciel, puis avec mon lit, c'était assez dur. Avec ton corps? J'étais dans mon lit. Mm-hmm. Là, j'ai vu mon grand-père qui me tenait la main, puis il m'a dit, « Tu vas guérir. Mm-hmm. » Puis j'ai vu le Dieu, là, il était devant moi, devant du lit. Il m'a pas parlé, mais je savais qu'il me disait que j'allais retourner sur Terre, que elle a guéri. Puis là, je suis revenue. Puis après ça, tout a bien été. J'ai pas eu de problème. Je suis revenue. Puis les médecins ont été bien surpris de ça. Nous sommes en 1980 à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Éric Bourgeois a 11 ans. Atteint de leucémie, il se remet d'un arrêt cardiaque qui a failli lui coûter la vie. Ses médecins lui demandent d'enregistrer sur vidéo le témoignage qui les étonne tant. Puis toi, comment tu te sentais? Je me sentais bien. Je voulais plus revenir. Pendant. J'étais bien. Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais si bien, là? Je sais pas. Me sentais relaxée, tu sais. J'étais pas intubée, j'avais rien dans les mains, tu sais. J'étais libre. Je me sentais en sécurité. Rassuré. Il me disait souvent, je suis bien, mais ma lumière m'attend. Mais je disais, voyons, Éric, t'es tellement bien avec nous. Il disait, oui, mais il y a autre chose. Georges-Étienne Rivard, que vous voyez ici en archive, était le médecin traitant d'Éric. À l'époque, est-ce que vous pensiez que c'était une expérience de mort imminente? Bon, je suppose que... Je ne sais pas ce qu'on définit comme expérience de mort imminente, mais c'est très clair que cet enfant-là est allé très proche de la mort. Si on entre dans une situation où est-ce que les cellules cérébrales sont privées de nutriments ou sont l'objet d'un effet toxique de médicaments ou de toxines infectieuses, on a progressivement une perte de leur fonction normale. Quand on revient, bon, j'imagine qu'on a les idées un peu mêlées. Moi, je vais pas de mourir. Non? Comment ça se fait, ça? Explique-moi ça. Je sais pas. Quand on vient de là, on dirait que t'as moins peur de mourir qu'avant. Avant, est-ce que t'avais peur de mourir? Ben, un petit peu, tu sais. J'avais pas trop, là. Qu'est-ce qui te faisait peur, hein, quand tu pensais à ça? Ben, je savais pas si c'était vrai ou... Tu sais. C'est quoi était vrai? Qu'il était allé au ciel après, puis que...
tu savais pas, ça te faisait peur parce que tu savais pas ce qui se passait après. Oui. Mmh. Mais là, avec cette expérience-là, tu le sais plus. Tu sais qu'on est bien. Donc, maintenant, t'as plus peur. Pas du tout. Eric est mort quelques semaines après l'enregistrement de ce vidéo. Que l'on croit ou non aux expériences de mort imminente, la science est pour le moment forcée d'admettre son impuissance devant le phénomène. Même le docteur Moody, qui a consacré 35 ans de sa vie à les étudier, est catégorique. Les expériences de mort imminente ne sont en aucune façon une preuve scientifique de la vie après la mort.